Saint-Mont-Valin, pourvoirie Claparo. On est parti ce matin de chez Charles Pinard de la pourvoirie Lac Cyprès. Il est rendu 6 heures, ça fait quand même un bon 7 heures qu'on roule. Fait qu'on s'en va encore pour un bon 3 jours de pêche. Là. On va se faire du fun à la pêche à la bouchetée. Oh, something good. Oh, something good tonight. Make me forget about you for now. Get high, get the floor before you go. Superficie de 117 km² de territoire, dont 35 lacs, 2 rivières, donc une navigable en embarcation et l'autre qui est réservée strictement aux pêcheurs à la bouche. 48,000 seats, please, and roll, dans notre deuxième saison d'opération, puis on continue encore aujourd'hui à faire beaucoup d'améliorations dans nos chalets. Fait des belles salles de bain neuves dans certains chalets, des beaux planchers flottants. Tous les chalets sont très très bien équipés. Le lendemain de notre arrivée, on s'est levé, il faisait gros soleil. On a pris le Tacoma, on s'est rendu à la rivière Tagi, on a sorti nos cannes à mouches, puis on est allé taquiner la mouchetée. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek that made you Tom the curious that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. Durant notre séjour à la pourvoirie Claparo, on a eu la chance de pêcher des super beaux lacs, faciles d'accès avec des chemins entretenus à la perfection. En plus de ça, Tony et José s'assurent que l'on manque de rien et que tout soit propre et en bon état avant qu'on parte pour la pêche. Les lacs qu'on a visités, on a eu des très belles qualités de pêche. On a pris de la belle truite indigène qui nous offrait des beaux combats. Il y avait pas mal d'énergie ces petites truites-là. Notre dernier soir, après une bonne bouffe, on a fait un feu avec une vue sur le coucher de soleil incroyable. Tony et José se sont joints à nous pour une soirée remplie d'histoires. Après seulement 3 jours de passer à la pourvoirie Claparo, nous repartons à contre-cœur. La beauté des paysages et l'ambiance chaleureuse que dégage le personnel va nous manquer. To see my child.